Bonjour, dans cette première partie, nous allons revenir sur les grands principes du management par l'évaluation, grands principes et outils de base que nous avions découverts à l'occasion de la formation. Tout d'abord, nous allons ensemble revenir rapidement sur les cinq bonnes raisons, au moins cinq bonnes raisons, qui justifient, motivent l'entrée en évaluation. Tout d'abord, la première, c'est de mettre en place des repères qui vont mieux nous indiquer l'importance des efforts effectués et euh, l'utilisation des investissements pour les grandes opérations et surtout pour les principaux services de votre structure. La deuxième raison euh, va tout naturellement nous permettre d'améliorer notre efficacité et nous reviendrons sur euh, cette définition tout à l'heure la troisième raison, c'est de pouvoir mieux garantir les financements d'argumenter autant que possible en faveur d'une augmentation des budgets malgré le contexte actuel et ça en s'appuyant sur du factuel, sur du concret, autrement dit sur des chiffres. La quatrième raison, elle est d'ordre réglementaire, c'est se mettre en conformité avec la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances. La cinquième raison elle, c'est de pouvoir, grâce à des outils simples qui prennent peu de temps, se mettre en capacité de mieux prévoir, d'anticiper, de s'adapter avec plus de finesse et plus de facilité en suivant ses budgets et l'utilisation de ces derniers. Alors, nous disions cinq bonnes raisons, je vais en ajouter une sixième, une sixième toute récente, puisque euh, on la trouve à l'intérieur des nouvelles normes de classement des offices de tourisme. Nous avons deux articles, le 2.2.1 et le 2.4.1.1, qui invitent, pour ne pas dire obligent les offices de tourisme à mettre en place des indicateurs de performance avec la même logique, la même méthode que euh, la loi organique relative aux lois de finances. Maintenant, l'évaluation, le management par l'évaluation est vraiment à considérer comme un outil au service de votre stratégie. C'est un outil qui va vous permettre de mieux poser les objectifs, surtout les objectifs quantifiés, de mieux travailler aussi sur le rendu, le rendu des résultats, et pour terminer, de mieux utiliser les moyens dont vous disposez. Alors maintenant, toujours grâce à ce petit schéma, eh bien, nous allons voir justement quels sont les trois éléments complémentaires. D'abord, l'efficacité, nous en parlions tout à l'heure. L'efficacité, c'est simplement résultat égal objectif. Résultat égal objectif. Ensuite, l'efficience. L'efficience, c'est obtenir les meilleurs résultats possibles avec les plus petits moyens possibles. Mais ça, vous connaissez. Et puis pour terminer, la pertinence. La pertinence, c'est simplement euh, donc euh, mettre les moyens nécessaires en face des objectifs que vous avez déterminés. Pour travailler sur les indicateurs, nous avions découvert trois familles, trois grandes familles. La toute première, ce sont les indicateurs de base, ce que nous découvrons aussi à l'occasion de la formation les indicateurs de base permettent d'abord de déterminer le coût de l'agent à l'année ou au mois ou à la journée ensuite on peut donc travailler très facilement sur un séquençage différent ensuite le coût des services nous pourrons grâce à des tableaux encore une fois très simples à utiliser déterminer quel a été le coût du service donc accueil et ensuite affiner accueil face à face accueil téléphonique et ainsi de suite et pour finir, le troisième indicateur de base, euh, lui, consiste à calculer le coût de la documentation, coût de la documentation unique, euh, et ensuite de pouvoir justement euh, faire toute une série de mesures extrêmement intéressantes. La deuxième famille, elle, va regrouper les indicateurs de premier niveau nous avons travaillé un certain temps sur ces indicateurs qui nous éclairent énormément avec beaucoup de pertinence sur euh, toute une série de choses comme le coût d'un appel le coût d'un contact d'un visiteur en face à face dans votre office le coût du visiteur unique sur internet en prenant euh, bien sûr donc google analytics comme référence et pour terminer le coût d'accompagnement d'un socio-professionnel effectivement savoir donc avec tous les efforts que vous avez entrepris l'année donc dernière savoir ce que vous coûte un socio-professionnel alors bien entendu il est possible de construire, de placer des indicateurs de premier niveau sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'autres services, beaucoup d'autres prestations, mais attention, la tentation est grande de euh, monter de cette manière une collection. Pour terminer, la troisième famille, elle, est constituée des indicateurs de niveau avancé que nous découvrons à l'occasion de la formation. C'est d'une sensibilisation, mais qui nécessite d'autres protocoles que nous appelons chez Stratégie Développement Promométrice. Ces indicateurs de niveau avancé, eux, sont mis en place, sont découverts à l'occasion d'enquêtes que nous menons avec vous, avec votre collaboration, et ces indicateurs de niveau avancé permettent de déterminer le coût d'acquisition d'un client. Euh, à quel coût avez-vous réussi à faire venir un client sur votre territoire et, Ensuite, par extrapolation, eh bien, nous sommes aussi, grâce à Promometris, en mesure, très facilement, très simplement, de déterminer la consommation observée sur le territoire et encore plus précisément la contribution économique touristique de votre office de tourisme. Maintenant, comment mettre en place les indicateurs de base Tout d'abord, il est nécessaire de lister, euh, de commencer par les missions régaliennes des offices de tourisme, autrement dit votre cœur de métier. Alors bien entendu, prioritairement, comme nous l'avons fait en formation, nous avons placé des indicateurs sur l'accueil, sur les accueils. Euh, nous avons aussi travaillé sur l'information, la promotion et l'animation du réseau des socioprofessionnels. Ensuite, Très fréquemment, nous mettons aussi en place euh, donc des indicateurs euh, sur le réceptif, euh, sur le service groupe ou le service commercial, et la boutique. Il est possible aussi, mais à part, de traiter des missions annexes que la collectivité, la ville, la comcom, -com, la communauté d'agglomération vous a confiées, comme la gestion d'équipements ou la gestion d'événements et d'animations. Maintenant, avant de commencer, il est bon de rassembler quelques éléments. Nous allons d'abord travailler sur la ventilation des temps, qui fait quoi en combien de temps. Vous aurez aussi besoin, vous avez besoin pour donc rafraîchir vos indicateurs d'éléments budgétaires. Très simple. Et pour terminer, nous allons aussi travailler avec vos volumes, euh, vos intrants, autrement dit le nombre d'entrées, le nombre d'appels, le nombre de visiteurs uniques et ainsi de suite. Voilà. Alors la gestion du temps euh, eh bien, consiste déjà euh, donc à lister les missions simplement. Celles qui sont définies par la loi, autrement dit l'accueil, l'information, et là si nous voulons rentrer dans le détail, l'accueil face à face, l'accueil téléphonique, l'accueil immatériel, la promotion, l'animation du réseau des socioprofessionnels, autrement dit la qualification de l'offre, l'accompagnement des socioprofessionnels. Donc nous allons rentrer tous ces éléments à l'intérieur d'un simple tableau Excel, de manière à savoir très exactement qui fait quoi et en combien de temps. Alors tout ça va s'exprimer en pourcentage, pourcentage par rapport à l'équivalent temps plein. Et euh, grâce à ce tableau, vous le verrez tout à l'heure, eh nous pourrons déjà déterminer toute une série de coûts déterminants pour la suite des opérations très utiles pour euh, exploiter euh, justement ces fameux euh, donc, euh, indicateurs. Alors, il est bon, avant de continuer, de faire un distinguo entre euh, deux types de tâches, deux types de postes. Ce qu'on a l'habitude d'appeler euh, les fonctionnels, et ensuite, euh, nous le verrons dans quelques instants, les opérationnels. Euh, C'est vrai que très souvent, on est questionné sur ce thème fonctionnel, même si on l'aborde en formation, il est toujours bon de rappeler ce qui se cache derrière. Eh bien, toutes les tâches fonctionnelles sont les tâches qui permettent à la structure, quel que soit le nombre d'actions, quel que soit, grosso modo, sa puissance de feu, d'être maintenue à flot. Donc ce sont toutes ces tâches qui se font en back-office, qui se font en background, qu'on ne voit pas, mais qui sont nécessaires pour que euh, le bateau euh, puisse continuer à euh, être en bon état. Donc nous allons trouver la gestion, la comptabilité, les ressources humaines, la formation du personnel, l'observation, la veille, définition de la stratégie et l'accompagnement méthodologique. Maintenant, nous allons ensemble redécouvrir ce que nous appelons opérationnel. Cette notion est plus facile à cerner puisqu'elle est en rapport avec la notion de livrable. Tout tout ce qui est d'ordre opérationnel vise à satisfaire le client, à lui offrir, voire lui vendre un service. Nous allons donc trouver des activités communes comme donner une information, rendre un service, voire vendre un produit. Cette fois-ci, ce qui est opérationnel fait référence à tout ce qui est front office lorsque vous êtes en contact directement avec le client. Une fois ce travail effectué, eh bien, nous allons pouvoir remplir, rafraîchir ces fameux tableaux Excel que nous mettons en place à l'occasion des formations. Alors il est clair que euh, nous ne souhaitons pas vous rajouter du travail. Il faudra aussi que, euh, justement, vous fassiez attention à ne pas vous compliquer la tâche. Et le but du jeu est bien d'aller à l'essentiel pour, euh, encore une fois, gagner du temps et surtout accroître la visibilité sur votre activité. Voici donc un exemple de tableau que nous mettons en place, c'est le tableau même que nous avons utilisé lors de notre formation, et à l'intérieur de ce tableau, eh bien, après avoir fait le distinguo entre ce qui est du fonctionnel et de l'opérationnel, nous avons pu, de cette manière, et très facilement, calculer le coût de chacun des services. Maintenant, grâce à ce tableau, comme vous pouvez le voir, grâce simplement à quelques éléments comptables, comme votre budget, comme le coût de fonctionnement de la structure, et après avoir fait le distinguo encore une fois entre le fonctionnel et l'opérationnel, nous avons pu déterminer le coût d'un agent à l'année, au mois ou à la journée. Et maintenant Eh bien, maintenant, nous allons, si vous êtes encore suffisamment attentif, pouvoir passer au niveau supérieur et faire un focus sur les indicateurs de premier niveau, autrement dit, tous ceux qui se rapportent à vos services, à vos actions. Suite dans la partie 2.